Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau de pâte Weight Watchers au Cookéo. Eh bien, pour cette recette, on n'utilisera que la fonction dorée. Et puis, on utilisera notre four pour compléter la recette. Alors, pour cette recette, il vous faut 140 g de pâte. C'est pour 4 personnes avec 2 œufs. 100 g de jambon, ça vous fait 2 tranches de jambon que vous coupez en morceaux. Là, c'est dans la recette originale, vous dites 4 cuillères à soupe de gruyère râpée, en fait, ça fait 50 g. Là, il vous faudra 800 ml de lait, ensuite du poivre et du sel. Et puis, pour déguster, éventuellement, vous pouvez faire une petite sauce à base de coulis de tomates aux champignons, par exemple. Moi, j'ai fait une version simple, c'est pour les enfants. Allez, c'est parti. Je passe en mode manuel et en mode doré et je vais verser le lait dans la cuve et puis on va porter le lait à ébullition. Alors pendant que le lait est porté à ébullition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la préparation. N'oubliez pas de faire préchauffer votre four à 210 degrés. Là, on va casser les œufs. On va battre les œufs. On va ajouter le jambon et puis le gruyère râpé. On mélange tout ça. On va poivrer légèrement et saler, on rectifiera l'assaisonnement au moment de déguster. Donc voilà, le lait à ébullition, on n'est pas encore arrivé à la fin du préchauffage de la fonction dorée, c'est pas grave. Je vais mettre les pâtes dans la cuve. Et là, on va faire cuire 4 minutes. Donc là, pour la cuisson des pâtes, en fait, vous regardez le temps indiqué sur le paquet et vous l'appliquez. Maintenant, je vais mettre ma préparation. Je vais mélanger mon jambon, mon gruyère et les œufs avec le lait et les pâtes. Je mélange bien. Là, on va pouvoir arrêter la fonction dorée. Je vais maintenant verser le contenu de la queue du Cookéo dans un plat qui va au four. Là, j'avais plus de moule en silicone, donc j'ai pris un plat et puis je l'ai beurré. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enfourner ce plat. Et puis, on va le faire cuire environ pendant 30 minutes.